En septembre 2013, le tribunal de commerce de Saintes lançait le dispositif d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance. C'est la possibilité pour les chefs d'entreprise au bord du suicide de bénéficier d'une aide psychologique en parallèle des procédures classiques de la justice commerciale. En 5 ans, l'APESA a largement inspiré d'autres juridictions. Aider les actifs à se loger, surtout s'ils n'ont pas de ressources suffisantes, c'est le but de l'association Help Me Up. Le principe est simple, la structure via une application met en relation un accueillant et un accueilli, en passant le plus souvent par les structures agréées d'aide aux plus démunis. L'accueil du travailleur pauvre se fait contre une contrepartie modeste, soit 4 euros par nuit, servant à couvrir les frais de fonctionnement de la plateforme. La personne accueillante ne sera pas rémunérée directement, mais bénéficiera d'un crédit d'impôt. Limoges a connu la plus grande sécheresse depuis 45 ans au mois d'août dernier. Avec 15 mm de pluie, le mois d'août a été le moins arrosé depuis 1973. Même si la pluviométrie est également catastrophique sur la Creuse et la Corrèze, avec 21 mm à Guéret au mois d'août et 42 mm à Brive, les records de sécheresse n'ont pas été battus. Une situation très préoccupante, d'autant que l'indice d'humidité des sols a atteint les niveaux les plus bas sur tout le Limousin. La Creuse de demain, dynamique et innovante, c'est le titre du concours photo organisé par la préfecture de la Creuse dans le cadre du plan de revitalisation du département. Les passionnés de photographie ont donc jusqu'au 28 septembre minuit pour envoyer leurs plus beaux clichés.